Salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Resonance of Fate. Alors, je sais plus du tout où on en est. Chapitre 13, Lucia. Allez. Alors, on va voir un peu. J'ai encore dans ma tête le chapitre où il y avait Noël. Le chapitre de Noël, on va dire. Ah, je crois qu'on avait fini. J'avais sauvegardé ici pour que ça aille plus vite. Je sais plus trop. Qu'est-ce que c'était ça déjà? Ah ouais, ça y est, je m'en souviens. Je me souviens que j'avais regardé parce que je savais pas où c'était en fait, tout simplement. Oh là là, c'est chiant déjà, d'emblée. Aïe. Bon, en fait, je savais plus du tout où se trouvait le cœur vulcanisé. Hein. Et en fait, il se trouve dans un... C'était quoi déjà? C'était... Il se trouve dans... Ah oui, oui. Des ruines niveau 10, ouais. J'avais noté. Alors. Ouais, en fait, le pire, c'est que... C'est quand on vous dit pas à quel endroit vous devez vous rendre. Ça, c'est vraiment le mal, hein. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est bien, au moins tu cherches un peu. Ouais, d'accord, mais bon, franchement, c'est bien de chercher, mais quand c'est fait intelligemment. Là, trouve-moi du cuir vulcanisé, merci. Ouais, ok. Il y a, je sais pas combien d'étages. Il y a énormément de lieux. Bon, en fait. Tac. Je me demande si sans, comment sans solution on peut le trouver quoi. À moins est-ce qu'il y ait petit point d'exclamation ou quelque chose. On va voir. On va voir si je suis mauvaise de langue ou pas. Alors comme d'habitude, avant de quitter mes vidéos, j'essaye de faire un ou deux points rouges. Ouais. En fait, ça dépend de mon humeur. Si j'ai galéré pour faire la vidéo, j'en fais un. Si ça s'est plutôt bien passé, ce qui est de plus en plus rare, hein. J'en fais deux. J'ai toujours espoir de choper un fragment de cristal. Mais bon. Après, à ce moment-là du jeu, on va pas en gagner 50 hein, de fragments de cristal. Donc, même si j'en gagne un, c'est-à-dire que des fois, ça sert pour améliorer un peu ses persos. Alors, niveau 10. Alors voilà. Eh ben en fait, l'endroit c'est à Aetsia. Vous voyez là, à droite. Ah ben je me mets dessus. Ah, et vous avez aucun moyen de le savoir. C'est pour ça que je trouve que c'est très moyen comme façon de faire. Allez, on y va. Alors encore une fois, l'avantage, c'est que ça va nous permettre de... Bah, de découvrir un nouveau lieu. Hein. Alors, puisque nous y sommes, ouf, ouais. On va essayer d'enlever le maximum.
Bon, après, c'est pas pour ça que ça rapporte. J'ai gagné un caca de chien. Qu'est-ce que je suis heureux. Alors, hop. Ah bon, là, après. Cellule d'évasion, soin total. Bon, il y a des petits trucs sympas. Allez. Voilà. Putain, combat. Donc du coup, on va se rendre dans un nouvel endroit. J'espère que ça va bien se passer. Et plus que j'ai amélioré mes armes, je revis quand même. Hein. Allez. C'est parti. Etsia. Je sais plus du tout comment ça se passe ici. Oh putain. Alors moi j'y avais marqué District D. Ah bah ça tombe bien. Au moins comme ça, ça nous évite de perdre du temps. District D. Voilà, bon, c'est bien ce qui me semblait. Je vais être obligé d'éliminer tous les ennemis. Voilà, mission accomplie. J'ai déjà fait tomber deux ennemis. Ok, bon, alors on va laisser tomber. Bon, ça a l'air jouable. Bon, ils sont faibles. Franchement, ils sont faibles. J'espère que le boss... se passera
Le combat contre le boss se passera aussi bien que celui-ci. Allez. Bon, vous avez compris que j'étais obligé de faire ce combat parce que la porte était bloquée, enfin verrouillée on va dire. Et donc du coup, on arrive au boss. Alors, pas comment je vais m'y prendre. Comme vous pouvez le voir, il est niveau 97. 97! C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a tué tous ses alliés. J'en reviens pas, coup critique et j'ai gagné. Oh le bordel terrible, coup critique, j'ai gagné. Ah putain, le truc mais vraiment improbable. Ah mais un peu de chance hein. Franchement ça fait du bien toujours c'est dire putain ça s'est pas si bien passé que ça. Voilà, au moins ça s'est bien passé. Allez, on peut se casser. Hein. Alors, par là. Oh putain. Frappe fort les ennemis dans cette zone-là. Yeah. Allez, encore un coup critique. Bien joué ça, Vacheron. Franchement, bien joué. Allez. Bon. Je crois que c'était... Ah non, c'est la femme du magasin, merde. Alors, allez, on va aller la voir. Putain, mais il y a des combats tous les mètres, oh. Ah, c'est pour faire 90 combats aléatoires et 2 missions, c'est un peu chiant quand même. Oh, peut-être qu'en faisant fuite, le jeu il comprendra que qu'il me casse les pieds avec ces combats aléatoires. Allez, on va voir si on peut passer au chapitre suivant. Hein. Le chapitre 14 du coup. Eh bien, ça avance.
Je regrette encore une fois qu'ils n'aient pas fait un ascenseur dans lequel vous pouvez choisir l'étage où vous voulez vous rendre. Parce que le cœur du jeu, c'est presque de perdre son temps entre chaque étage. Je trouve que c'est vraiment dommage. Hein. Après, ils vont vous dire que c'est pour allonger un peu la durée de vie, pour explorer, je sais pas en fait. Mais un étage, vous appuyez quatrième, vous arrivez au quatrième. Ça serait beaucoup, beaucoup plus sympa à faire. Allez. Voilà. Alors, si on peut pas gagner du temps. Des fois, l'endroit, en fonction de l'endroit où vous cliquez. Voilà. Vous n'arrivez pas au même lieu, pas au même endroit de la ville. Allez, terminez ton cœur vulcanisé. Voilà. Allez, en route pour le chapitre 14 alors. On va voir un peu ce que ça donne. On va pas le dire trop fort, mais les derniers chapitres, ils étaient largement accessibles. On va voir celui-ci. Hein. Allez, hop. De mémoire, les derniers chapitres, ils étaient beaucoup plus difficiles, hein, quand même. Mais bon, on va voir. なぜ私を騙したんですか？研究は満足のいく結果になりましたか？ 20人いた子供たち、みんな私を除いた全員。どうしたの？また風邪ひくよ。うん、ありがとう。でも先生はなぜ実験体の私たちに一人の人間として接してくれたんですか？なぜ危険を承知で私と一緒に逃げようとしたんですか？ ダメです。サリバンと連絡がつきません。研究所への確認は？はい。20個のクォーツは割れているとのことです。20号のクォーツの真贋の確認は？リーンベルのクォーツの真贋の確認は？かなり時間がかかりそうです。まるで測ったかのように姿を消すとは、サリバン。そもそも実験は失敗していたのか？ ならば奴は今まで何をしていたのだ。まさか復活再臨。わからぬ。一体何が起こっているのだ。これは信仰を失い自分を見失った私への罰なのか。そんなに自分を責めないで。あなたは今まで 自分を犠牲にして、よくやったわ。ベロニク、教えてくれ。私は理想と現実、どちらを選ぶべきだったのか。Bon, allez, on passe au chapitre suivant.
Chapitre 14. On va avoir une scène, voilà.本日をもってプロジェクトの全フェーズを終了。当研究所を閉鎖します。一体どういうことだ。これであなたの自由の身、一刻も早くここを出てください。そんな話全く聞かされていないぞ。ロエンの兵が動き出しました。まもなくここへも来るでしょう。何のために。我々を処分するためかと。 なぜだ。君が何をしようとしていたのかは知らん。しかしそれが報いであるならば私は人としてこの施設に残ろう。その感情は理解できません。それにあなたがロエンに裁かれる道理はない。 そうだな。ならば私は古い約束のためにここに残ろう。お別れです。Go. Alors, j'ai gagné des cellules énergétiques vertes. De mission histoire, c'est quoi alors du coup? Aller au labo à Etherzil, au chandelier. Bon. Allez. Bon, vous avez compris que là, on n'a que deux persos, même si Lynn n'est pas le meilleur de perso de mon équipe. Je vais aller la chercher. Avant de faire les missions annexes. Alors. Ah, il y avait un combat. Ah, ok. Il pleut toujours sur ce pont. Nee-chan, onna no hitori aruki wa abunai ze. Hunter o yatotte ikina. Wain hakobi ni chozo sagashi. Terroristo no senmetsu made nan demo gozare da. Damatte ikasete chōdai. Watashi ga kimeta koto da no. バシロンには感謝してる。無理に詮索しないで、私に考える時間をくれた。もちろんゼファーにだって。ゼファーがいたから、私はもう一度先生に会おうと思えたの。先生？伝えたいことがあるの。おいおい、そいつはちょっと高くつくぜ。なんせあの施設に一般人が入れるわけがねえ。誘拐か？強行突破か？ もうだやかじゃないね。もう、こんなのやめてよ。決意が揺らいじゃ。会いに行くだけなんだろ。そもそも、その人、まだ生きてるの？わからない。でも、私が生きている確率よりは高いと思うの。 やんだよ。涙雨。じゃあ、行ってみるか。急ごう。うん。ありがとう。Bon. Ah bah alors si j'ai récupéré Lynn, on va faire les missions annexes en premier.
Hop. Ah ouais, je me souvenais pas qu'on l'a récupéré aussi vite. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Parce que comme je vous ai dit, les derniers chapitres sont très difficiles. Donc vaut mieux commencer par les missions annexes. Allez, confrontation finale, un problème, j'ai envie d'apprendre. Alors, le cardinal. Niveau 7, niveau 2. On va aller au niveau 2. Bon, on a quoi? On a 26 minutes de vidéo, on a fini un chapitre, ça va. Allez, en route pour le niveau 2. Et confrontation finale, c'était quoi déjà? Ah. Ouais, on va aller, on va commencer par ça parce que ça prend un peu de temps. Hop. Combat. Mais bon, c'est pas tellement les combats aléatoires qui sont difficiles, c'est vraiment les missions. Voilà, je m'en doutais. Allez, c'est parti, on va voir un peu ce qu'il nous propose. Du monde, ah ouais, il y a vraiment du monde. Ah, niveau 16, 38, 28. Bon, attendez-vous à malheureusement un combat long. Faut que je l'élimine. Oh merde. Bon, ça va. Oh, il y a un peu de carnage, ça vole, ça tire dans tous les sens. Ah, mais lui, il fallait vraiment que je l'élimine, hein, parce qu'il était... Il est vraiment très chiant, celui-là. Hein.
Ok. On va ouvrir un peu les chapeaux. C'est celui-là. Hein. C'est le prochain. Ah, il est où ? C'est celui-là. Faudrait que je l'isole un peu. Ouais, que je l'isole un peu, ça va être dur. Le coup, Lynn elle est bien, elle est au top, elle tient le coup aussi. Je pense que là... Ça va faire toute la vidéo, hein, ce combat. Encore 3. Alors c'est vrai que c'est chiant, mais ça permet d'entraîner un peu les persos et puis ben. Et puis c'est pas comme si j'avais le choix. Alors.
bon. Le maximum de chapeaux et m'empoisonner l'île, cet enfoiré. Putain, je sais pas s'il va survivre. L'éliminer, ça débarrassera aussi. Voilà, le problème c'est que vu que j'ai pas enlevé le chapeau des autres persos, enfin des autres ennemis plutôt. Ah, il me restait que lui. Ah, on va éliminer parce qu'il avait plus le chapeau. Voilà. N'oubliez pas, quand vous perdez vos cristaux, essayez de vous diriger dans leur direction quand vous faites des... des raids, quoi. Histoire d'en récupérer le maximum, hein. Après, il faut les re-remplir, c'est ça le plus compliqué. Alors... Vous voyez là. Voilà.
Bon, voilà, c'est quasiment fini. Ouais, plus que lui. J'ai enlevé le maximum. Ouais, presque. Ah, et de deux. Ouf. On passe au troisième. Les chapeaux, vous avez compris, hein, c'est toujours pareil. Plus on en enlève, et plus on récupère de cristaux déjà, et c'est surtout que, au moins avec Vacheron, après, on n'a plus qu'à les mettre dans le bleu. Tiens, fais pas semblant, lui. Hein. Merci. Je vais lui enlever le maximum à lui. Voilà. Ah, il m'a encore empoisonné l'île ou non, je sais pas, on dirait. Alors. Allez, on est presque encore deux coups. Voilà. Putain, on a même réussi à enlever le chapeau au troisième. Alors. C'est lui, hein.
Le problème, c'est que vu qu'ils ont tous leur chapeau, pour l'instant, je ne peux pas trop les mettre tous dans le bleu. Allez, on va attendre que Zephyr joue. Ouais, c'est bien qu'il élimine celui-là. Je sais pas pourquoi il était tout en bleu l'ennemi, honnêtement, mais bon, des fois je me pose pas la question tant que c'est à mon avantage. Presque, presque. Lui, il a échappé à la guerre. Allez, 2-3. On y est presque. Tenez le coup, tenez le coup. Allez, le dernier. Alors, toujours pareil. Hein. On l'envoie dans un coin. Toujours les plus dangereux, c'est les gros. Comme dans Street of Rage. Alors. Putain, ils enlèvent là. Vous êtes fier. Ça commence à être trop chaud pour lui. Dès que je l'écarte de la guerre. On va essayer avec un peu de chance de tuer lui, mais ça m'étonnerait. Ah, peut-être. Ah non, j'arrive pas assez. Alors. Bon, Lynn, elle tient le coup, hein, tant bien que mal.
Bon, un bon passage. Je cherche les... Ah, lui, il n'a plus la cascade. Allez. Parti là, je suis sûr, ils ont tout fait pour le tuer. Hein. Non, il a plus le chapeau. Ah, yeah. On a presque fini. Ah ouais, je reviens pas, je l'ai pas tué. Ah ouais, on va faire un passage en plus, hein. Malheureusement, il a survécu. Voilà, eh ben, on va s'arrêter là. Voilà, déjà fait une mission, c'est bien. Alors, comment on s'en va là? Ah, c'est par là. Bon, c'est encore une fois une mission chiante, hein, mais... C'est... Fallait le faire. Attendez, on va accélérer. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, c'est des missions qui sont vraiment pas passionnantes. Mais il faut les faire. Encore une fois, je l'ai fait surtout parce que je sais que les trois derniers chapitres, au moins, sont très difficiles. Donc c'est pour ça que, voilà, j'insiste vraiment sur le fait que faut prendre le plus d'expérience possible. Sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui regardent ce let's play, qui se sont abonnés, qui regardent mes vidéos. Franchement, ça fait plaisir. C'est pas le plus passionnant des let's play, mais bon, ça reste un jeu plutôt sympa. Voilà, ça c'est pas non plus
Après les missions, c'est parce que je le veux bien, hein, sinon je serais pas obligé de faire des missions aussi chiantes, hein, mais bon. Enfin. Passez une bonne journée, portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, merci.